L'autre source d'espoir et de régénération, Beethoven l'a trouvée dans la nature. Elle était une sorte d'antidote à cette ville de Vienne, étriquée et bavarde, qu'il finissait par détester. Il haïssait par-dessus tout le goût des Viennois, toujours entichés de pianotage, de chants sans âme et de toutes les camelotes qui ruinaient l'art véritable. Pour Ludwig, rien n'était plus corrompu que la ville, avec ses rivalités, ses compromissions et ses bassesses. Le réconfort était ailleurs. Quand il avait la chance de quitter quelque temps la capitale et se réfugier dans la campagne ou dans les vignes. Quel bonheur de pouvoir errer dans les prairies en fleurs ou flâner au bord des ruisseaux. Il lui semblait que personne n'aimait la campagne comme lui. Les forêts, les arbres et les rochers lui renvoyaient l'écho désiré par l'homme. Il y avait aussi ses rencontres avec les paysans et les vignerons. Leurs conversations lui semblaient plus sincères que celles de bien des salons mondains. C'était un peu tout cela qu'il avait voulu confier dans sa symphonie pastorale. Non pas une peinture musicale vaguement descriptive, telle que l'auraient conçue les compositeurs du siècle précédent, mais plutôt l'expression des souvenirs joyeux, des impressions agréables et des sentiments très personnels que l'on ressent en arrivant à la campagne. En somme, le bonheur simple qu'on peut éprouver en respirant à l'air libre.